Le travail du pédopsychiatre consiste à évaluer, diagnostiquer et traiter les troubles mentaux, émotionnels et comportementaux chez les enfants et les adolescents. Pour faire cela, il s'en sert d'entretien clinique avec les enfants ou les adolescents, les personnes responsables de l'adolescent, comme les parents ou les représentants légaux. Il peut intervenir dans les domaines de vie de l'adolescent en participant à des réunions à l'école avec les enseignants et aussi pour intervenir dans des services spécialisés de la prise en charge comme les services de pédiatrie dans les centres hospitaliers et dans les centres médico-psychologiques en ville. Travailler autant que pédopsychiatre dans l'établissement public de santé mentale de la Marne présente plusieurs avantages. L'expertise en matière de santé mentale avec une longue tradition de soins psychiatriques. Il dispose de services spécialisés dédiés à la pédopsychiatrie. Il y a beaucoup de diversité de cas. Le travail en équipe pluridisciplinaire, ce qui est essentiel pour un pédopsychiatre. L'établissement propose des opportunités de formation continue et encourage la participation à des projets de recherche. Il dispose de plusieurs ressources et infrastructures, dont par exemple notre service, l'UMOP, unité mobile d'orientation pédopsychiatrique, qui permet d'aller dans le lieu de vie de l'enfant et de l'adolescent pour observer de près et évaluer ce qu'il lui faut pour favoriser son développement. Un autre avantage, c'est l'impact direct qu'on peut avoir sur la santé mentale des jeunes dans la communauté, ce qui est la meilleure récompense pour les professionnels dans ce domaine. Exercer le métier de pédopsychiatre nécessite un ensemble de qualités personnelles et professionnelles, en plus des compétences médicales spécifiques. Je dirais l'empathie et la sensibilité. En plus, il faut de la patience parce que voilà, les troubles mentaux chez les enfants peuvent être complexes et nécessiter un suivi sur le long terme. Il faut un peu d'adaptabilité parce que parfois on doit inventer, imaginer des stratégies de communication avec nos jeunes et un esprit d'équipe. Et surtout voilà, un esprit d'éthique et de discrétion face aux histoires qu'on peut être mené à entendre.